Mesdames et messieurs, il y a une semaine, j'étais aux Pays-Bas pour des commémorations marquant le 75e anniversaire de l'assaut sur l'île Walcheren, qui a ouvert l'accès à l'estuaire de l'Escaut. Cela a permis aux navires alliés d'acheminer des approvisionnements à Anvers et a raccourci la chaîne d'approvisionnement qui était beaucoup trop longue des ports de la Manche. Plus important encore, il a libéré le peuple de Walcheren de la tyrannie de l'occupation nazie. Malheureusement, trop de gens, soldats et civils, sont morts dans les batailles du 1er au 8 novembre 1944. Très peu de gens ont entendu parler de Walcheren, et même je savais très peu. Pour moi, une surprise très agréable a été de voir une bannière de Français libres parmi les drapeaux des organisations des anciens combattants représentés lors des cérémonies. Je n'avais aucune idée que la force qui a libéré l'île, comprenant des forces britanniques, mais aussi des Belges, Norvégiens et Français. Cela m'a rappelé avec force notre lutte commune du siècle dernier contre ceux qui nous enlèveraient notre liberté et du prix que nos soldats, marins et aviateurs ont dû payer pour que nous puissions vivre en paix et jouir de la liberté que nous avons le privilège de partager aujourd'hui, y compris malheureusement le choix britannique de quitter l'Union européenne que je regrette personnellement profondément. Mais au cours des 15 dernières années, des troupes françaises et britanniques se sont battues et mûres ensemble loin de chez nous, en Afghanistan, pour protéger notre sécurité et notre liberté, alors que nos deux nations ont terriblement souffert du terrorisme dans nos propres rues. Nous sommes liés dans notre détermination aujourd'hui, tout comme nous l'étions il y a 75 ans, à vaincre la tyrannie de toute nature. À côté de moi se trouve le marine Mark Ormerod. La veille de Noël 2007, alors qu'il patrouillait en Afghanistan, un combattant taliban caché a fait exploser un engin explosif. Mark a perdu ses deux jambes et son bras droit. Et alors qu'il était à bord de l'hélicoptère qui l'a transporté à l'hôpital, il est mort deux fois. Il a été le premier triple amputé à survivre sur le champ de bataille. C'est remarquable en soi, mais on lui a aussi dit qu'il ne marcherait plus jamais en raison de son courage et de sa détermination. Il est sorti d'un volant en quelques mois et n'a jamais été de retour. Il a continué à travailler à nouveau, est devenu père de trois enfants et vit encore une vie normale. Il a également montré qu'il est extraordinaire en remportant 4 médailles d'or aux Jeux Invictus pour les militaires blessés il y a 2 ans. Mais il a besoin d'aide pour faire tout cela. La Royal Marines Charity a été fondée en 2010 et a fourni les meilleurs membres prothétiques et a fourni d'autres fonds et soutiens nécessaires à lui et sa famille, comme nous l'avons fait à des milliers d'autres. Pour ce faire, comme l'UE de France, nous avons besoin d'amasser des fonds et toutes sortes de gens entreprennent toutes sortes d'activités. La plupart d'entre eux ont beaucoup de succès et ne causent aucun problème. Je reconnais que ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, c'est une entreprise de collecte de fonds qui n'était pas sage et non autorisée. Nous tenons à nous excuser pour les désagréments causés aux maires, au PGHM et la communauté de Saint-Gervais-les-Bains par cette initiative ratée. Et nous nous excusons pour l'utilisation abusive du Mont-Blanc. Par notre don de 1 800 euros à l'appel de Blue Aid de France,
Nous souhaitons compenser les frais encourus, mais aussi démontrer notre solidarité avec nos frères et sœurs d'armes français. Avec le travail entrepris pour les soutenir par Bleuet Défense et d'autres organismes de bienfaisance militaire français. Nous espérons que notre visite d'aujourd'hui sera le début de nouvelles relations avec la communauté de cette partie de la Haute-Savoie, qui a déjà fourni un lieu pour les activités de réhabilitation pour nos troupes blessées. Nous vous remercions de nous avoir invités. Nous sommes honorés d'être ici et nous célébrons les liens qui nous unissent dans la guerre et la paix au cœur du siècle dernier et dans l'avenir, quel que soit le Brexit. Je vous remercie. Donc vous voyez, on a notre drapeau français, bleu, blanc, rouge. Le rouge, eh bien, c'est les coquelicots aujourd'hui, le bleu, ce sont les bleuets. C'est exactement la même période, c'est la création a été faite après la Première Guerre mondiale. Et donc l'idée de Monsieur le Préfet d'associer les bleuets à la générosité de nos amis britanniques, eh bien, est une belle idée parce qu'elle rapproche nos militaires, elle rapproche nos pays à un moment où on en a besoin. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir pensé à transformer quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'on souhaitait en quelque chose qui est devenu positif, puisque votre association fait un don aux Bleuets de France et aux Bleuets de Haute-Savoie, puisque ça reviendra aux Bleuets du département de la Haute-Savoie, du montant, du coût qu'il aurait fallu pour faire aller un hélicoptère et le faire revenir pour descendre le rameur depuis le refuge Valo, 1800 euros. Voilà, merci beaucoup et merci pour terminer cet épisode d'une façon très positive et d'une façon vraiment qui permet à nos deux peuples et à nos deux armées de continuer à vivre ensemble, je le redis, même si certains le veulent un peu moins. Voilà, merci.